Le 22 septembre 1878, le jeune écrivain écossais Robert Louis Stevenson part à pied du Monastier-sur-Gazeille dans le département de la Haute-Loire. Accompagné de son ânesse Modestine, il arrive 12 jours plus tard à Saint-Jean-du-Gard. Son journal de route, Voyage avec un âne dans les Cévennes, fut publié en 1879. Cet ouvrage a permis de retracer son itinéraire sous le nom du chemin de Stevenson, GR70. Thomas Pigoy a décidé de refaire son périple afin de récolter des fonds pour l'association Guéri d'un cancer. Thomas, bonjour. Thomas Pigoy, on connaissait l'homme, on connaissait le sportif, le coach. La solidarité avec un garçon comme toi, ça va bien, on va en parler. Mais là, pour le moment, Thomas, une présentation. Qui es-tu ? Alors, j'ai 42 ans. Ça fait, j'arrive même pas à me rappeler depuis combien de temps je fais du sport. Mais ça fait 35 ans que je fais de la compétition à un certain niveau, dans pas mal de sports différents. Je me suis arrêté principalement sur le trail et sur le triathlon. Et je me suis spécialisé plutôt dans la longue distance, c'est là que je me sens le mieux en fait. À côté de ça, je suis coach sportif, donc par logique, j'ai coaché pas mal de trailers, de triathlètes. Et j'ai tendance à me diversifier maintenant de plus en plus dans les sports. Ça m'intéresse beaucoup d'aller chercher différents sportifs dans différents sports. Et aujourd'hui, on va voir le Thomas Pigoy solidaire. C'est ça. J'ai ressorti un vieux projet des tiroirs qui datait de 2015, je crois. Que j'ai lancé cette année parce qu'on n'avait pas de course et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et on va faire quelque chose d'intelligent en courant et on a lancé ce projet quoi. Cette aventure solidaire, elle a commencé du côté du Puy-en-Velay, Saint-Monastier sur Gazeille, je crois que c'était comme ça. Ça a commencé le matin, voilà. Tout à fait, on est parti à 6h30 de la place du couvent, à côté de l'abbatiale Saint-Jaffre du monastier. Aller là-bas pour une belle aventure. Donc, commencer déjà dès le matin, bien dedans et bien chaud. Ouais, en plus, on avait vraiment une super équipe. Il y a pas mal de gens qui m'ont accompagné sur ce projet. Notamment, il y avait deux coureurs en fait, qui ont même fait la préparation du parcours avec moi parce qu'on est venu en amont pour reconnaître un peu des bouts du parcours. Je pense à Alexandre Plot, à Benjamin Berardini. Après, un peu plus loin, il y a même Wendy Delfino qui nous a rejoint. Julien aussi, qui a fait partie aussi de la team pour filmer le projet. Donc, c'était vraiment génial. Dans cette première étape qui t'a amené sur l'Angone, quand je dis qui t'a amené, parce que non, qui vous a amené, parce que je sais qu'il y avait une équipe solidaire avec toi. Et un bon coach, un bon organisateur, cette première étape jusqu'à l'Angone, dis-nous un peu. Alors on est parti assez tôt, donc il faisait déjà froid dès le départ, mais je savais que c'était assez roulant, donc on a beaucoup couru tout le départ en fait, se court vraiment bien, c'est des chemins qui sont très propres, il y a des très grands plateaux, on a franchi la Loire. Même sous la pluie c'est joli. J'ai eu peur que tu me perdes, je me suis mis en blanc. Ça va, pas trop dur avec la pluie? Ouais, bah il fait froid en fait. Hein. Tu sais, oui, quand t'attends comme ça, ouais, il fait froid, ouais. Quand t'es pas en mouvement. Ouais. Voilà, là c'était un très grand plateau avec le vent de face, avec un froid pas possible. Donc c'était peut-être la partie la plus dure en fait de la journée, je pense. Ensuite, on est arrivé à un village qui s'appelle Le Boucher, où là, il y avait Wendy justement qui nous attendait, qui était congelée, je me rappelle. Condition difficile. En fait, en plus, elle savait pas trop quand on allait arriver, donc il fallait qu'elle soit là. Donc, du coup, j'ai décidé de pas m'arrêter du tout pour pas qu'elle ait froid. On est parti tout de suite. Ah là, c'est magnifique, hein. C'est un peu les DSI.
Il y avait encore une grande partie roulante et après une partie descendante, et on arrivait dans un très très joli village où je voulais vraiment qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse profiter du village. Et en fait, ça tombait parfaitement en fait avec le timing pour la nutrition. L'importance, c'est vrai que l'importance, puisque bon, c'est vrai que c'est un petit peu ta partie, hein, comme on disait en présentation, le coach, le spécialiste qui accompagne, mais qui sait aussi proposer la nutrition, tu as su te l'appliquer à toi-même parce que c'était très important. Ouais, tout à fait. En fait, maintenant, plus les années avancent en fait, dans le coaching, plus je ne veux plus dissocier les deux en fait, la nutrition du coaching sportif. Et effectivement, là, on avait planifié en fait tous les 4 heures de vraiment manger quelque chose de sérieux. Parce que sur les très très longs efforts comme ça, je mange plus du tout de sucré et je me concentre vraiment sur des protéines, enfin quelque chose qui va reconstituer au fur et à mesure, beaucoup plus de gras. Puisqu'on est sur des rythmes qui sont pas fous, on n'a pas besoin de se gaver de sucre tout le long. Et donc en fait, tout simplement, je me fais des sandwichs. Alors c'est du pain, c'est pas vraiment du pain qu'on va trouver n'importe où, c'est pain plus protéiné, mais c'est des aliments très simples en fait. Hein. Ça va être du fromage que je peux tartiner, ça avec du jambon un peu salé. Et dans tout ça, je vais retrouver tout ce qu'il faut en fait pour reconstituer au fur et à mesure, quoi. Côté pittoresque aussi, parce que quand même, la France, elle est belle. Et quand on va à l'intérieur, on s'aperçoit quand même que quand on passe dans certains endroits, on a vraiment envie de s'arrêter parce qu'il y a des belles choses à Ah voir. oui, je voulais absolument en fait que Pascal filme ce village parce que quand j'ai fait la reco, je me suis dit c'est vraiment un endroit qu'il faut filmer. Et c'est des rues médiévales dans Pradelles où on s'est arrêté pour manger là. C'était vraiment magnifique, quoi. Avant d'arriver à Langogne. C'est ça, c'est ça. Après on a eu une bonne partie. Là je savais qu'il y avait à peu près 12 km de descente. Donc là, c'est une partie où on est allé, c'est passé assez vite. Ouais. Belle rencontre humaine, solidaire, avec une association guérie d'un cancer. Ouais, c'est très important de présenter l'association, mais je pense que la meilleure chose que je peux faire pour présenter l'association, c'est de laisser la place à Eric, qui est le président de l'association. Bonjour Eric Schneider, Bonjour association Kenneth. guérie d'un cancer. Thomas Piquois, solidarité avec toi. Une rencontre, une belle rencontre, avec bien sûr cette démarche toujours solidaire et cette association guérie d'un cancer que tu connais bien, dont tu peux nous parler. Alors déjà, pour commencer, j'aime les gens qui donnent du sens à ce qu'ils font. Et faire du sport et financer de beaux projets, je trouve ça magnifique. L'association guérie d'un cancer œuvre pour les enfants atteints d'un cancer. Donc on aide la recherche à hauteur de 50% environ, et on aide surtout les enfants dans leur hospitalisation. Ça passe par offrir du matériel, offrir des vacances à des enfants qui ont... Je connais... Alors j'ai une histoire à raconter. C'est une adolescente qui pendant 10 ans n'a pas pris de vacances parce qu'elle était malade. On a pu offrir des vacances à une adolescente. Moi je connais l'association guérie d'un cancer, je te connais, je sais que je la sens ton émotion, tu sais, je la sens, elle est là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu as en toi, tu as été guéri et ton objectif aujourd'hui dans ta vie au quotidien, c'est le partage, d'amener cette énergie pour que chacun essaye de récupérer ce qu'il a de bon dans cette démarche. Et c'est ce que tu vas jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout et tu vas dans les actions concrètes, Eric. Alors c'est exactement ça. Moi j'ai une chance fabuleuse, c'est d'être soigné, guéri d'un cancer. Et surtout avoir un fils qui est toujours présent avec moi, qui a subi deux opérations d'une tumeur au cerveau. Et j'ai une chance incroyable, c'est qu'il est toujours là. Tous les jours je vois son sourire et moi ça me réjouit. Et j'essaye de donner du sens aussi à ma vie, c'est-à-dire d'aider les autres tout simplement. Thomas, on vient de quitter Langogne. Tu repars. Ouais, alors là, je suis obligé de repartir seul parce que Benjamin, qui m'a accompagné sur 50 km, souffre d'un genou. Donc, du coup, comme je sais qu'il veut repartir le lendemain matin de Florac, il vaut mieux qu'il s'arrête et que je continue tout seul. En plus, c'est un moment où je suis plutôt bien, donc je le vis Et pas. les conditions toujours aussi difficiles, Pareil, pluie, le temps plus froid. froid, hein, toujours. Ouais, Hein. depuis le début, c'est assez constant. Très froid le matin, après c'était un peu mieux, mais la pluie ne nous a pas lâchés tout le long. Je repars seul jusqu'à Cheylard-l'Évêque, où là, c'est un super petit village qui est assez encaissé.
avec une magnifique chapelle sur la colline. Là, je me rappellerai toujours parce qu'à la Reconnaissance, on y allait trop tôt dans la saison, on a failli mourir de froid. C'était vraiment un congélateur. Suite à ça, après, ça traverse une forêt. C'est vraiment des grands plats à travers la forêt. Où là, je me rappelle vraiment, c'était vraiment un moment génial. Et ça descend après jusqu'à Luc, où là on s'est arrêté encore pour manger. Ça correspondait un peu au timing, c'était un peu loin, mais ça correspondait à un bon timing pour manger. Donc, une fois qu'on repart de Luc, on longe l'Allier, et je sais qu'il faut rallier Notre-Dame-des-Neiges, mais là, en fait, c'est sympa parce qu'il y a Julien qui repart avec moi, c'est le caméraman qui court avec moi. Et qui fait une bonne partie en fait parce que Pascal lui fait croire qu'il y a 5 km. Je me souviendrai toujours. Et en fait, il se rend compte qu'il y a au moins 12 bornes. Et en plus, on part dans le mauvais sens. Donc, quand même, j'ai traversé les champs pour retrouver le chemin. Et puis finalement, bon, après, ça se passe plutôt bien. On tombe sur une montée infernale où là, il me dit qu'il peut plus. Donc finalement, bah, comme je sais que ça va être très long, je l'attends en haut. On redescend un peu ensemble. Et on arrive à cette fameuse abbaye énorme, Notre-Dame-des-Neiges, où en fait, je me souviens bien, il y a une abbaye qui n'est pas moderne, mais qui fait assez moderne. Et sur la gauche, en contrebas, une toute petite chapelle en pierre magnifique, où on avait même fait des photos C'est superbes. incroyable quand même, parce que tu as un potentiel physique et tu vas quand même aller chercher avec la solidarité pour l'association guérie d'un cancer et tu prends le temps quand même de lever les yeux, de puiser de nos belles régions les belles choses parce que on a l'impression encore que tu y es encore là-bas, quoi. Ouais, après, c'est aussi le trail, ça sert à ça aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment le. D'ailleurs, j'ai fait du triathlon pendant 2 ans parce que j'avais des problèmes de genoux. Puis j'aime bien changer de sport aussi pour découvrir, pour pouvoir coacher mieux les athlètes. Et là, de revenir dans la nature, du coup, ça me fait encore plus plaisir de voir des belles choses. C'est vraiment sympa. Il y a des moments quand même, il y a des moments sur le parcours, on sent quand même de la difficulté parce que l'accumulation quand même, puis la météo qui aide pas quand même. Ouais, effectivement. Ben en fait, on arrive vers la Bastide, où là, ben Pascal en fait doit s'arrêter. Donc du coup là, je repars tout seul, mais vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a plus que ma sœur et mon père qui suivent. Et en plus, c'est la seule partie que j'ai pas reconnue du parcours. Donc là, je repars, il refait froid, je repars dans une montée qui est large comme une autoroute. Tout seul, et ça monte, ça monte, ça monte, et je sais même pas où je vais parce que je connais pas du tout le parcours. Donc je monte, je monte, je monte, et puis en même temps, je commence à sentir quelques douleurs que j'aime pas trop. J'arrive à des énormes éoliennes, je me rappelle, et là, je marche et je redescends. Et à 3 km du prochain village, je m'arrête. Alors, on se retrouve, allez, pas loin de Chastradès, de 2-3 km, C'est et ça. là, il se passe quoi? Bah en fait, les petites douleurs que j'avais ressenties, que je connais bien quand tu fais de l'ultra running, c'était bien ce qui me semblait. Je commençais à avoir une grosse tendinite qui s'installait au niveau du releveur. Et en fait, je ne pouvais plus dérouler un pied, quoi. Donc en fait, j'ai fait toute la descente pour arriver jusqu'à là en marchant. Et en réfléchissant en fait à ce qu'il fallait faire pour pouvoir finir le défi, et alors là, j'étais à fond, je me disais, qu'est-ce que je fais? Si je m'arrête pas là, je continue, on s'engage dans la nuit, on n'est pas censé être là parce qu'il y a quand même le couvre-feu. Donc si il m'arrive un truc la nuit, bah, on n'est pas bien, on n'a même pas prévu quelque chose pour dormir et tout. Donc je me dis, j'ai 2 solutions, soit j'essaie. Je m'arrête en pleine nuit, c'est fini. Soit je trouve une solution, on dort maintenant, on s'arrête et on repart demain matin du point où j'aurais dû arriver si j'avais couru la nuit, quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone en marchant et j'essaie de trouver un truc pour dormir, tout en continuant Ouais, sur le mais chemin, quoi. non, moi je trouve que franchement, la sagesse, la lucidité, le coach quand même qui reprend le dessus, hein. Tu as beau Ouais, mais avoir en été fait, c'est ce que fatigué, je me le suis dit. coach Je a me suis repris le dit, dessus, et en là fait, tu j'avais prends pas la le bonne choix, quoi. décision, tu Mais en prends la fait, bonne décision. j'avais pas d'autre solution, en fait. Enfin, si je voulais finir, aller jusqu'au bout du défi, comme c'était prévu,
on est un film pour présenter le truc et aller jusqu'au bout. C'était la seule solution que j'avais jamais oublié ce jour-là, l'objectif. quoi. Ah, Voilà, ce jour-là, je n'avais pas d'autre solution pour arriver au bout, c'était de dormir un peu, de me strapper à mort le lendemain et de pouvoir courir les 60 derniers. Voilà. En fait, de cette partie de nuit, on devait passer par Mirandole, il y a un magnifique viaduc, c'est un vieux village qui est au fond d'une vallée qui est surplombé par un très très grand viaduc. On traverse des forêts pour atteindre le Blémard, et c'est un village qui est après une autre colline derrière. Pour finir, en fait, la plus grosse montée du chemin de Stevenson, qui monte à la station de ski du Mont Lozère, où il y a un énorme plateau où je me rappelle qu'il y a des énormes pierres plantées, en fait. C'est le long du GR, c'est assez marrant. Et finalement, en fait, une fois qu'on a passé le plateau, on descend sur le pont de Montvert et après on rejoint la commune de Florac. Dernier jour, Florac, oh, il reste encore 55 km, le défi en tête, la solidarité, et là tu te dis, j'y vais. Ouais, bah en fait, ça m'a. De pouvoir me reposer un peu, de pouvoir réfléchir. En fait, j'étais super content de pouvoir finir, en fait. Donc, je me suis strappé à fond, je me suis bloqué la cheville. Avec le pied en l'air, comme ça, pour pas que ça déroule. La première heure, c'était l'enfer. Mais bon, je savais que ça allait chauffer un peu. J'ai la chance qu'il y ait Benjamin qui soit venu courir avec moi. Donc, on repart de Florac. En plus, je savais que cette partie-là, elle était super belle. Donc, c'est passé, en fait. C'est passé tout seul. En plus, Benjamin était surexcité. Donc, on a couru à fond pendant. Il a tenu 30 km. Il m'a bien fait le lièvre. C'était génial. On est arrivé à la gare de Casagnas où là on a retrouvé encore l'assistance. On n'est pas resté longtemps parce qu'il pleuvait encore. Donc j'ai juste changé de caouet parce qu'en une heure j'étais trempé. Après ça continue à monter. On a traversé des forêts assez sympas. On est arrivé à Saint-Germain-de-Calberte. Et après, c'est que des villages en enfilade, en fait, sur la fin de ce parcours, qui est vraiment assez roulant, jusqu'à Saint-Étienne, où Saint-Étienne, là, il y avait encore un joli village médiéval. Et là, je savais que quand j'arrivais là, en fait, il n'y avait plus grand-chose, quoi. Mis à part, en fait, ça fait une très, 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 très grande descente. Après, on traverse encore une rivière, le Gardon. Et après, il me restait la dernière vraiment montée où là, on monte un vrai col dans les pierres en plus. Ça faisait, je sais pas combien de temps que je courais sur la route. Et là, je repars sur une section vraiment trail avec une montée bien, bien sèche. Mais quand c'est la dernière montée, ça compte pas, quoi. Attendez sur la fin Je comme sais que c'est la ça, fin, parce que quoi. Thomas, il y avait les copains, il y avait la solidarité, mais il y avait la famille aussi. Moi, je connais, je les ai Ouais. vus souvent à tes côtés, très présente la famille Bigois. Ah ouais, bah ouais, c'est en fait. Ce qui est génial, c'est que je leur demande même pas de faire ça. Hein. Mais s'ils savent que je vais faire une course, en fait, en fait, ils s'éclatent autant que moi, quoi, à faire l'assistance, à visiter les villages. Enfin, je sais qu'ils ne font pas ça pour me faire plaisir. Enfin, bien sûr, c'est pour m'accompagner, mais ils font ça aussi parce qu'ils y trouvent vraiment leur compte, quoi. Donc, ça en fait au moins une équipe qui est vraiment top, quoi. Et là, sur la fin, en fait, l'équipe qui filmait ne pouvaient pas venir au col, parce que ça faisait trop court après pour finir. Donc en fait, ils sont venus au col quand même, heureusement, parce que la dernière descente de ce chemin, elle est hyper technique, et en fait, j'avais pas les chaussures qu'il fallait, donc j'ai changé les chaussures en haut. Et puis après, c'était fini, quoi. J'avais une descente, je suis descendu doucement, parce que c'est sur la fin, avec la fatigue et la technicité du parcours, il fallait que je descende doucement. Et en plus, j'ai eu la chance que Julien puisse me retrouver un peu avant l'arrivée, donc on a pu finir ensemble, et jusqu'à la fontaine de Stevenson, là, qui est dans Saint-Jean-du-Gard, en fait. J'avais donné rendez-vous à la mairie, et juste avant, il y avait la fontaine qui a le nom du chemin, quoi. Une aventure humaine à la hauteur de l'association guérie d'un cancer, ça fait des belles rencontres quand même. Ah ouais, franchement, ça restera longtemps en mémoire pour moi, et je suis super content d'avoir été au bout, mais pas que, en fait. En fait, c'est ça qui m'a. J'étais déçu de devoir arrêter au milieu et de reprendre. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, on s'en fout, quoi. C'est le plus important, c'est d'avoir pu
faire la cagnotte, atteindre l'objectif, c'était le plus important, quoi. Donc en fait, tout le monde était content à l'arrivée, c'était top, quoi. Ben oui, un montant, c'est important parce que quand on parle d'action concrète, quand on accompagne une association, on parle d'argent. Et là, il y a eu un montant quand même Tout à fait. considérable. Ouais, en fait, c'est ce qui m'avait plu, moi, tout de suite avec Eric, c'est que quand il te parle, il va te dire, il va t'expliquer où va l'argent que tu vas lui apporter, en fait. Il va te donner des cas concrets, comme il a expliqué, des tablettes, des voyages, tu sais à quoi ça va servir, quoi. Mais on va passer donc à la remise du chèque officiellement à l'association Guéri d'un cancer Avec et grand on va plaisir. accueillir à nos côtés Eric Schneider. Et on se retrouve pour ben, la remise du chèque, belle aventure humaine avec le chèque, la somme, les partenaires, c'est important, et le clin d'œil à tous les prénoms. J'ai Ah vu ouais. Steph, Morissette, tu as pensé à toutes ces personnes qui t'ont accompagné, et bien sûr les partenaires qui sont sur le chèque, avant de le remettre à Eric Schneider. Je voudrais que tu fasses un petit clin d'œil à tous ces généreux donateurs. Ouais, tout à fait. Bah déjà, ouais, dans le fond, en fait, je voulais faire apparaître tous les gens qui, parce que quand j'ai fait ça, en fait, je me suis dit, il faudrait quand même que tous les gens se retrouvent dans l'action, quoi, puisque c'est grâce à eux, en fait, c'était le but du jeu, c'était ça, c'était pas de courir, c'était de réunir des dons, quoi, pour l'association. Donc bien sûr, il y a tous ceux qui ont participé. Et ensuite, il y a les partenaires officiels, mais qui nous ont aidés pour les tenues, pour la nutrition. Le cabinet d'experts comptables Saric de Marseille qui a bien participé à la cagnotte et ma boîte de coaching qui a organisé l'événement. Voilà, donc je suis très très heureux, Eric, de te remettre ce chèque pour l'association. C'est génial. Alors, tu sais comment? C'est un moment important, Eric. C'est un moment important d'avoir un garçon comme Thomas Pigua accompagné avec sa famille, avec des copains, avec ses belles entreprises. Pour toi, c'est un moment fort, Eric. Alors c'est un moment fort, extrêmement fort pour l'association. Encore un défi relevé. Alors ce qui est important, je pense, c'est donner du sens à sa vie et de faire les choses en grand. Et Thomas était très grand sur ce défi. Il a affronté des conditions difficiles. Il a été jusqu'au bout. Tu as eu l'intelligence de gérer une partie qui aurait pu être compliquée pour toi mentalement. Tu as fait l'effort de repartir. Moi, je trouve ça génial, quoi. Merci, Eric. Je t'en prie, vraiment. Et ouais, tu as été grand, tout simplement.